Notre bien-aimé Père Céleste, tu es le seul vrai Dieu qui règne en tout lieu. Tu règnes ici dans cette maison, dans ce temple, et tu règnes dans le cœur de chacun de nous parce que nous sommes ton temple. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Seigneur, merci d'avoir réuni ton peuple. Tu as dit, rassemble mon peuple avec lequel j'ai fait l'alliance par le sacrifice pour que je lui parle. Et qui se prépare pour l'enlèvement. Seigneur, bénis tes serviteurs, tes servantes. C'est une grande joie pour nous de nous retrouver, même avec quelques personnes. Nous ne savons pas quand tu viendras, Seigneur. Nous pourrons aussi mourir sans avant que tu ne viennes. Mais quelle sera notre destinée, Seigneur? Dans tous les cas, nous voulons être avec toi. Nous voulons vivre avec toi éternellement. Nous faisons partie de ton épouse. Oh Dieu, merci. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus, prions. Amen. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je salue les bien-aimés qui sont en ligne. Je voudrais parler d'un thème que vous connaissez, la foi. La foi qui est confondue souvent avec beaucoup d'autres choses. Et je vais seulement introduire et puis le frère Mathias va prendre la relève. Marc chapitre 11, verset 20. Marc 11, 20. On va dire d'abord. Hein? Oui, donne ça au frère là-bas. Ouais. On va lire à partir de ces vers, oui. Allons-y. Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Continuons. Amen. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Amen. Mais il y a des conséquences. Vous savez, aujourd'hui, il y a des frères, des sœurs qui disent, c'est qui m'a fait là? Même quand on ira au ciel, je ne vais pas pardonner. Mais tu n'iras pas au ciel, justement.
Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Frère, lis le psaume 103. Écoutez, il y a des conséquences malheureuses liées à la rancune, au manque de pardon. Qui comprend cela? Levez la main, je vais voir. Si vous comprenez. Si quelqu'un est là et puis quelque chose dans ton cœur, on t'a fait quelque chose, tu gardes ça là. Toi-même, tu auras des problèmes. Tu deviens une entrave pour tes bénédictions. Vrai. Suivez-moi, je ne vais pas long. C'est une introduction. Ici, si toi, tu ne pardonnes pas, à toi aussi, tu ne seras pas pardonné. Ça veut dire que tu ne seras pas béni. Amen. Continuons, frère. Lis. Psaume 103. Ouais. De David. Ouais. Mon âme loue l'Éternel. Amen. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Amen. Verset 2. Mon âme loue l'Éternel. Oui. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour toi. Aucun. Amen. Continuons. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il pardonne quoi? Toutes tes iniquités. Est-ce qu'il y en a qui ne pardonnent pas? Non. Il pardonne tout. Tout. Et tout. Toi, tu ne veux pas pardonner. C'est l'introduction. Hein? Si vous voulez être béni, la foi parfaite est liée au pardon. Pardon. Amen. Peut-être que vous ne savez pas, hein, mais Léopold, peut-être que tu sais, dans nos traditions, dans nos traditions africaines, chez moi, par exemple, ce que j'ai vu quand j'étais jeune, vous allez dans une famille, un enfant est malade. Avant qu'on ne soit un enfant qui soit guéri, on confesse, on fait CP. Qui c'est ça? C'est-à-dire que ce qu'on appelle CP, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose entre les parents qui n'ont pas été confessés. Il faut confesser, c'est pardonner d'abord. Tout ça, c'est Dieu qui a voulu cela. Tu n'en sais pas divin. On ne va pas soigner l'enfant comme ça et puis bon, vous êtes le père, la mère sont à dos. Non. Il faut le pardon. Amen. Et ici, nous voyons très bien que le Seigneur dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Tout. Toutes tes iniquités. Il pardonne tout. Et quand on va avancer, on verra que l'apôtre Paul dit que il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Ça, c'est Colossiens chapitre 2. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Est-ce que vous comprenez un peu? Je voulais que nous avancions. Nous avons un large programme, frère. Nous avons dans cette un large programme, surtout par rapport aux bien-aimés qui veulent avoir des enfants. Il faut que nous soyons, nous avons une foi parfaite. Amen. Et cette foi parfaite est liée au pardon. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, tout. Mais quand il a pardonné, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est-à-dire le coronavirus y compris. Amen. Dites amen. 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 On a prié ici pour nos des frères qui sont guéris. Amen. Frère Mathias, lève-toi ici. C'est faux, c'est vrai? C'est vrai. À l'étranger, soit à l'étranger, on a prié ici, ils sont guéris. Ce matin, j'ai parlé encore avec mon cousin. Toute sa maison était atteinte. Hein. Toute sa maison était atteinte. Au moins, on a prié. Il est totalement guéri. Amen. Je lui dis, vous prenez mon portable, vous allez voir, c'est fini. Alléluia. Amen. Donc, amen. Dieu guérit. Amen. Mais il guérit les gens qui pardonnent. Dieu bénit, mais bénit les gens qui pardonnent. Si vous êtes là, cette soeur-là, est-ce qu'on peut l'appeler soeur? Elle va faire ça. Moi, je ne vais pas. Tu te condamnes toi-même, tu n'auras rien de Dieu. Ça, c'est vrai. Tu n'auras rien. Hein? Tu n'auras rien de Dieu. Vrai. Alors, qui es-tu? Bien. Qui es-tu pour ne pas pardonner? Bien. Qui es-tu? Tu es qui?
Ici, il pardonne toutes nos offenses et il guérit toutes nos maladies. Amen. Vous qui avez prié, moi, à ce moment, je ne sais pas. Mais frère Mathias priait. Notre frère guéri, il était en réanimation, non, frère? Et maintenant, il fait l'éducation fonctionnelle. Amen. Il était dans le coma. Oui. Et puis après, maintenant il fait l'éducation, c'est fini. Alléluia. L'autre famille là, ce matin, j'ai parlé à mon cousin. Amen. Ils sont complètement guéris. Toute la famille était condamnée. Gloire à Dieu. Guéri complètement. Amen. Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Mais c'est toi qui l'empêches d'agir dans ta vie. Par tes rancunes, par ton mauvais cœur. Vrai. Tu freines les bénédictions. Il m'a fait ça. Mais tu ne vas pas pardonner, mais toi, Dieu, regardez un peu. Qui connaît la parabole des deux débiteurs? Mon frère Trifosa, hein, Sibaï. Tu connais la parabole des deux débiteurs? C'est Sibaï? Oui, donne-le le téléphone. Je dis, j'ai introduit seulement. Hein. Mais nous voulons avoir des enfants dans cette église. On veut être bénis, on veut être guéris. Amen. Mais cette foi-là, elle est liée au pardon. Tous ceux qui disent, maman, je ne pardonne pas. Hein? Quand on va se séparer, on va voir, il passe à gauche, moi, il passe à droite, mais tu n'as rien, tu fermes les bénédictions. Dépêchons-nous, frère, dépêchons-nous. Voilà, mon frère, allons-y. Bon, dans la Bible, il y a quelqu'un qui... Parle un peu plus fort. Il y a quelqu'un qui devait son maître. Et son maître lui a fait grâce. Il devait à son maître. Et son maître lui a remis sa dette. Vous entendez? Moi, je n'entends pas. Hein? Le micro n'est pas ouvert. Ouais, prenez celui-là. Voilà. Ça va aller. Bon, il y a quelqu'un qui devait à son maître de l'argent. Bon, qui beaucoup d'argent. Une dette. Et son maître lui a fait grâce. Voilà, quelqu'un devait. Qui connaît la parole, cette anecdote-là, cette parole? Il devait beaucoup d'argent à son maître. Prenons 2 millions, par exemple. Nous ne savons pas combien. 2 millions. Et qu'il a pleuré, il n'a pas d'argent. Son maître a dit. Qu'est-ce que son maître a fait? Son maître lui a fait grâce. Bon, ça veut dire quoi, lui a fait grâce? Bon, annuler sa dette. Il a annulé la dette, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi, il y a quelqu'un qui le devait et il allait réclamer cette dette. Non, frère, tu as tout le temps, parle doucement. Pourquoi on puisse entendre plus fort dans le micro? Bon, après que son maître lui a remis sa dette, il allait voir un de ses compagnons aussi, tu lui devais et... il a réclamé sa dette. Son compagnon ne pouvait pas payer. Je vais reprendre ça. Alors, lui devait 2 millions, par exemple. C'est pas agaçant. Et puis le bête lui a pardonné. Il n'a même pas d'argent pour payer. Et puis il sort de là, il voit un ami qui lui doit 200 000 francs. Il le prend par le collet. Donne mon argent. 200 000 francs et 2 millions. Ça va être 10 fois. Plus que ça. Donc mon argent, il prend les 30, il va te tuer. Tu vois, ça fait 2 ans, tu as mon argent, tu ne payes pas. Et puis quelqu'un apprend et il court vers le maître. Maître, celui à qui tu as remis les 2 millions, il tue quelqu'un pour 200 000 francs. Oh, le maître dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Allez me chercher. On le prend, on le ramène devant le maître. Il dit, qu'est-ce qu'il n'est pas dit? Oui, toi tu m'as pardonné, maintenant je vais aller fêter. Et celui-là, il me doit 200 000 francs, il ne veut pas payer. Quel stupide. Le maître a dit, ah bon, moi je te remets plusieurs fois. Et puis tu vas tuer quelqu'un, maintenant il te met en prison, je mets tes enfants en prison, toute ta maison en prison. C'est parce que vous avez payé le dernier centime. Regardez ici. Qui voit la gravité du non-pardon? Qui voit? Qui voit comment c'est grave? Oh, on ne pardonne pas. Je veux que vous écoutiez. Levez la main.
Levez bien la main. Surtout parmi les sœurs. Elles sont rancunières. Non, moi, ça là, c'est... Elle a fait ça plusieurs fois, cette fois-ci, là, je ne pardonne pas. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu bloques tes bénédictions. Tu bloques tes bénédictions. Hein? La foi parfaite marche avec le pardon. Écoutez bien. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs... Ils ne sont pas exaucés. Le frère a des problèmes, le frère a des problèmes. On n'a qu'à prier pour lui, il va guérir. Mais lui-même, il n'a jamais pardonné. Il est plein de péchés. Et puis on prie à rien. Dieu a des principes qu'on doit respecter. Amen. Regardez un peu, frère Mathieu, il faut me lire s'il te plaît. Éphésiens, Colossiens 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset. Colossiens 2, à partir. Vas-y. Merci. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 10. J'ai introduit, je vais laisser la place au frère. Colossiens 2, 10, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Amen. On a tout, frère. Vous qui êtes là, et moi, et mon frère, Mathieu, nous avons tout pleinement en Dieu. En Jésus-Christ. Tout. Mais pourquoi en arrière? Pourquoi on vit dans l'austérité? Pourquoi en arrière? Pourquoi nous sommes là pauvres? Vous savez pourquoi? Il y a des principes bibliques qu'il faut respecter. Pour que le tout là soit à notre disposition. Allons-y, mon frère. Ah, je marque la dispensation. Alors, pas faute de la vie. Allons-y. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Nous. Pourquoi le nous? Parce que Paul est inclus dedans. Amen. Dieu te bénisse. C'est inclus. Amen. Donc Dieu nous a fait grâce, il nous a pardonné tous nos péchés. Tout. Et nous, on retient des choses contre des frères, contre les sœurs. En parlant d'ici cet après-midi là, pardonnez tout. Qui veut le faire? Qui veut le faire? Si tu le fais pas, tu te bloques la route. Parce que c'est correct, hein? Dieu est logique, hein? En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, c'est-à-dire tous les péchés que nous avons commis ont été pardonnés. Et l'apôtre Paul se comprend, il se met dedans. Mais toi, tu es là, tu es qui? Elle a fait ça plusieurs fois, maintenant cette fois-ci, elle ne pardonne pas. Pardonne pas, hein? Ne pardonne pas, mais tu seras pauvre, stérile, aveugle et nu. Pauvre, stérile, aveugle et nu. Et tu comprends? Mais quand tu seras un véritable enfant de Dieu, pardonnons tous à tous, pardonnons tout à tous. La voie sera déblayée pour toi. Par contre, ton nom pardon, le manque de pardon, est une entrave à ta bénédiction. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu comprends, lève la main. Ça bloque ta bénédiction. Dieu ne change pas. Il a dit dans Malachie chapitre 3, verset 6,
Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Tu ne peux pas te bénir alors que tu as des choses dans ton cœur. Contre quelqu'un, tu ne parles pas un tel, toi, si tu le vois, on tourne le dos. Et puis, non, non, non. Et puis toi, tu es plein de péchés, il va te parler. Non, non, non. Non. C'est important, hein? Si vous voulez être béni, faisons la liste de tous ceux qui nous ont offensés. Et puis pardonnons-leur. Tu as compris? Ils nous ont offensés. Ils nous ont fait des choses graves. Mais pardonnons. Frère Mathieu a donné l'exemple d'une sœur que je ne connais pas. Une sœur qui était forte. Et puis elle ne pardonnait pas, mais on l'a frappée plusieurs fois. Dans le quartier, les autres voulaient la défendre. C'est ça, mon frère Mathieu. Oh, les gens sont venus la frapper. Au lieu d'une gifle, c'est quatre. Elle est tranquille. Mais est-ce que toi, tu peux? Si tu n'arrives pas là, tu n'es pas encore là, il faut. Il ne faut pas venir perdre ton temps ici. Dieu a ses principes. Il dit, je ne change pas. Jusqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, le fait aujourd'hui. Mais il y a des principes qu'il faut respecter. Il faut pardonner. Amen. Alors, nous voyons bien ce principe biblique. Colossiens chapitre 2, c'est 2, hein? Ouais. Vous avez tout pleinement en lui, on a tout, frère, tout ce que tu demandes aujourd'hui, tu as tout, tout. Tu veux avoir un enfant, tu as l'enfant. De l'argent, tu as l'argent. Tu veux avoir une promotion, tu as l'argent. Tu veux avoir la santé, tu as la santé. Tu veux avoir la foi, tu as la foi. Tu veux être enlevé, mais le Seigneur est devant toi, tu seras enlevé. Mais comment? Il faut être sincère, il faut être plein d'amour. Parce que le pardon, c'est une preuve de l'amour que nous avons pour les autres, les uns pour les autres. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas pardonner. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, si vous parlez toutes les langues, vous parlez les langues des hommes, les langues des anges et tout, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Ah, c'est l'amour qui pardonne. L'amour pardonne, nous ne pouvons pas oublier. Hein. Ça, je vous dis, excusez-moi. Le Seigneur, quand il pardonne, il oublie. Mais nous sommes des humains. On peut s'en souvenir, mais quand on a pardonné, c'est fini. Et ça commence par le foyer. Vous qui êtes mariés là, il ne faut pas qu'on ait des foyers où l'homme et la femme sont à couteau tiré. Sans le pardon, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. Alors, il nous a fait grâce pour tout. Moi, j'ai souligné ici. Il nous a fait grâce. Vous savez, bien aimé, vous étiez enfant, vous avez péché, vous avez grandi, vous avez péché, vous avez fait des. Tout ce que vous pouvez, tout a été pardonné. Amen. Qui le croit? Tout a été pardonné. Tout. Il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Il a dit, quand Jésus est ressuscité, il te considère comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Amen. Mais à ce titre-là, toi, tu dois travailler à ton salut avec tremblement et crainte. Amen. Tu dois te purifier. Tu dois pardonner. Tu dois aimer. Gloire à Dieu. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, par rapport au problème que nous pouvons avoir dans la vie, vous avez, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suffisait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Amen. On dit amen. Amen. La malédiction a été clouée à la croix, nous ne sommes plus maudits. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les dominations sont les esprits mauvais, hein. C'est pas. Ce sont des esprits mauvais qui dominent. Et le Seigneur
les a vaincus. Bien-aimés, un chrétien, quand il se couche le soir, il dort tranquillement. Les histoires de sorcellerie, les histoires, les... ça c'est fini, ça n'a aucune puissance sur lui. Oh, si tu n'as pas, tu ne dors pas tranquillement, on va prier pour toi tout à l'heure. La Bible dit dans Psaume chapitre 4, verset 9, je me couche et m'endors aussitôt en paix, car toi, sois ô éternel. Continuons. Hein? Assure ma sécurité dans la demeure. Un chrétien qui se couche le soir, il dort tranquillement. Sauf s'il veut prier. Par contre, le Seigneur a détruit toutes les influences sataniques, sorcellerie, rose-croix, franc-maçonnerie, marabouta, tout ça, c'est fini. Amen. Il dort, il se lève quand il veut. Si tu as des problèmes comme ça, quand tu dors, non, on doit prier pour toi. Il ne faut pas le cacher, tu as besoin d'une délivrance. Et il doit avoir une raison, par contre, tu ne pardonnes pas. Donc tes péchés sont là. Et vous savez que le diable, il vit des péchés. Non, il en profite. Un péché. Et puis, il va vous dire une chose, j'ai dit ici. Le péché est plus méchant que le coronavirus. Pourquoi? Parce que lui, il tue deux fois. Qui c'est ça? Le péché tue deux fois. Ça veut dire quoi? Tu vas aller chercher les femmes, tu vas voir le sida. Et puis, est-ce qu'on guérit le sida, toi? Non, tu vas mourir. Tu es mort une première fois. Et puis quand tu es mort, tu es par le sida, que tu ne t'es pas repenti, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Tu vas mourir deux fois, le péché tue deux fois. Fuyons le péché, frère. Il tue deux fois. Une pandémie peut te tuer une fois, mais le péché il tue deux fois. Hein. Quand tu n'as pas repenti, tu es rancunier, tu vas mourir dans la rancune. Tu vas aller là où il y a des rancuniers. Et tu as compris. Et là-bas, le diable va te prendre. La seconde mort aura une puissance sur toi. Est-ce qu'on comprend? C'est une introduction, je n'avance pas comme ça. C'est une introduction. Donc, c'est très important. Que frère, si nous voulons être bénis, nous devons pardonner. Vous voulez être guéris, nous devons pardonner. Alléluia. Que Dieu soit loué, exalté, magnifié. Que son bon nom soit béni. Amen. Alléluia. Frère, ayons foi en Dieu. Amen. Nous revenons à notre texte. Et puis, mon frère Mathieu va venir nous lit la définition de la foi. Quand on dit ayons foi en Dieu, il va venir nous dire qu'est-ce, la foi, c'est quoi? Je travaille toujours avec lui. Oui, tu viens lire. Prends le micro. Tu peux le lire là-bas. Oui, tu veux. Et on a lu la définition de la foi. La foi, c'est quoi? Or, la foi est une ferme assurance. Doucement. Bien, merci. Ah, je l'aime bien, mon fils. Il a une voix, une grande voix. Dieu te bénisse, frère. Amen. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, il équipe. Hein. Amen. Amen. Je ne veux pas lui dire des fleurs, mais c'est, quand Dieu appelle quelqu'un, il équipe. La foi est-il ferme à hein? Assurance. On est sûr. Ce n'est pas une croyance, une vaine croyance. Frères, nous allons prier pour nos frères qui n'ont pas d'enfants. Ils vont les avoir. Moi, je crois à ça. Amen. Je suis là-bas dans le confinement, mais je pense qu'ils prient tous les jours, une ou deux fois, régulièrement pour eux. Je prie pour tous les malades. Je prie mes bien-aimés doivent avoir des enfants. Parce que c'est une bénédiction. Mais voilà, il faut avoir la foi. La foi est une ferme à assurance. C'est pas une foi, ce n'est pas une croyance légère. Parce que la Bible dit, Jacques a dit, il ne faut pas confondre la foi avec, comment dirais-je, la croyance des qu'on appelle cela, des démons. Ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Mais ils ne seront jamais sauvés.
Il y a des gens qui ont cette foi-là, des démons. Oui, frère, c'est possible, mais ce n'est pas possible. C'est vrai. Quand Dieu parle, c'est oui et amen. Amen. Dieu ne peut pas faillir. Il ne peut pas faillir. Il ne peut pas se tromper. C'est qui dit le faire. Et Job a dit, je reconnais maintenant que tu as le pouvoir de réaliser tous tes objectifs. Job, il reconnaît que même Dieu a le pouvoir de faire ce que sa bouche dit, sa main est capable de le faire. Mais pour que tu puisses bénéficier de cela, il faut que tu sois transparent, que tu pardonnes, qu'il n'y ait rien entre toi et quelqu'un. Il parle comme ça, hein, terre à terre. Que tu ne gardes rien contre quelqu'un. On a lu Marc 11. Si tu gardes quelque chose contre quelqu'un, toi aussi, Dieu ne va pas te pardonner. Qui a compris? Fais la liste des gens qui vous ont offensé et puis pardonnez tout. Qui a compris? Mettez la liste devant vous. Chaque jour, dis, ah, j'ai pardonné à un tel. Ça vient dans ton cœur et dit, ah, j'ai pardonné. Amen. J'ai pardonné, j'ai pardonné. Que ça soit vrai, vrai pardon. Si nous voulons être bénis, hein, mais là, si on ne veut pas être bénis, ça aussi, gardez rancune. Gardez votre rancune et la rancune va vous tuer. Et la rancune va vous tuer. Deux fois. Une fois ici, le corps, et puis une fois, l'âme. Est-ce que vous comprenez? Deux fois. Regardez un peu Éphésiens chapitre 5. Je vais, je vous rappelle, je vais lâcher la place. Éphésiens 5, frère Mathieu, tu restes là, s'il te plaît. Ouais. Éphésiens 5, qu'est-ce que l'apôtre Paul condamne là-bas? À partir du verset 25. Ou bien, on va partir à partir de... À partir du verset 21, on lit selon. Éphésiens 5, 21. 5, 21. C'est 4. Voilà, 4. C'est 4, 21. Éphésiens 4, verset 21. À partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il se corrompt, tu vois. Comme il se corrompt. Ça se gâte, ça pourrit, oui. Ça moisit. Ça moisit. La corruption. Et si tu es resté dans le vieil homme, tu vas pourrir. Oui. Tu seras corrompu. La corruption, elle n'est pas dans morale. Hein. Tu vas donner l'argent, tu la corromps. La corruption, c'est quand quelqu'un. Tu vois quelqu'un, tu as de l'argent et puis tu vas pourrir. C'est une corruption, ça. Amen. Continuons. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Vous n'êtes pas d'accord? Une communauté, ça veut dire les gens qui ont quelque chose en commun. Et vous allez lire Philippiens chapitre 2. Nous sommes un même cœur, une même âme et tout en commun. Continuons. Si, c'est le 26, hein?
Oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Quand le soleil se couche en colère, on garde la rancune. Ah, on est là, on doit se... Ah! Léopold, c'est quoi que tu m'as fait? Bon. Et puis tu deviens sorcier. Et vous comprenez un peu? Tu dois te réveiller, tu te réveilles avec ça. Tu vas devenir sorcier. Tu deviens un sorcier. Frère, que Dieu nous aide. Il y a des passages très importants, mais c'est pas pour, on ne doit pas commenter parce que c'est le verset 28 vers. 28, hein. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et puis quand tu travailles, tu dois être béni. Mais pour être béni, il faut que tu respectes les principes bibliques. Il faut pardonner. Tu peux partir d'une petite entreprise, elle devient grosse. Tu deviens grand PDG. Tu deviens PDG. Mais alors, continuons, frère. 26, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà un chrétien qui parle. Quand il parle, les gens qui entendent, ils sont heureux. On dit, ah, enfin, j'avais des problèmes, mais ce monsieur-là, il me donne du courage. Amen. Et l'apôtre Paul dit que personne ne perd courage. Amen. Mais quand tu parles, c'est comme un dragon. Non. Je ne vais pas lui pardonner. Et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas pardonner? Il est écrit dans Marc chapitre 11, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Si Dieu ne te pardonne pas, ta foi est vaine, tu n'auras rien de Dieu. Ton manque de pardon devient une entrave, c'est-à-dire quelque chose qui vient pour bloquer la voie. Toi, tu peux jeûner 40 jours, hein, plusieurs fois, mais tu n'auras rien. Parce que ce n'est pas ton jeûne qui va obliger Dieu à agir. Hein. C'est l'application de sa parole. Amen. Son conseil, c'est sa parole. Ce n'est pas ton jeûne. Avant de jeûner, il faut être dans la disposition du jeûne. Il faut avoir une vie équilibrée. Il faut regarder, est-ce que dans ma vie, il y a des gens qui m'ont offensé? J'ai pardonné. Question importante. Je souhaite que quand on va continuer cette prédication, nous puissions saisir l'essentiel. La foi va comme ça. Pas la foi, non. C'est les gens qui ont eu la foi, c'est un don. Mais Dieu ne donne pas cette foi-là, n'importe qui. Oh, la foi, c'est la puissance qui trône du monde. Mais elle doit pouvoir triompher de toi et de moi, afin que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Alléluia. Alors, on continue, frère. Verset 30 dit quoi? Ouais. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Moi j'accepte, hein? Vous avez été scellé. Je ne vais pas comprendre. Est-ce que c'est demain? On dit, vous avez été scellé. C'est écrit, hein? Moi j'accepte ça. Je suis scellé. Maintenant les discussions, je ne suis pas étonnant. Ce qui est écrit ici, vous avez été scellé. Ah. J'accepte ça. Amen. Continuons. Mais même si je vis une mauvaise vie, il y a crise de cet esprit. Il est en moi, il me sert, mais c'est un saut. Hein. Et je vais attrister cet esprit. Continuons. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons. On dit
Amen. Dites Amen. Il n'a pas entendu. Amen. Quand on te voit, il n'y a rien. Le Seigneur a dit, lève-nous et partons. Parce que celui qui vient là, il n'y a rien à moi. Il ne faut pas pactiser avec le diable. Hein? Les gens gardent rancune, toi aussi tu gardes rancune. Ils font pas là, tu fais pas là. Alors que toi, tu dois être identifié à Christ. Être comme lui. Amen. Disparaître, ça veut dire qu'il y en a. Oh, le Seigneur, il y en a. Mais elle doit disparaître du milieu de nous. Amen. Amen. Continuons. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Bon. Il ne faut pas que quelqu'un soit souvent bon. Fais matière est bon envers moi. Vis et tout. Non. Moi aussi, il doit être bon envers lui. Bon les uns envers les autres. Il y en a qui ne parlent pas de foi et puis pas. Ce sont les clés. Ce sont les leviers de la foi. C'est ça que je veux avoir, la vraie foi. La foi, ce n'est pas un désordre. Hein. C'est l'amour, c'est le pardon, c'est la paix. C'est la parole parfaite qui donne la foi parfaite. Amen. Continuons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. On dit ah. Amen. 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 Alors toi, tu es d'abord en Christ, toi tu ne veux pas pardonner. Frère, regardez, je suis en train de finir, je vais m'arrêter là. La foi parfaite est liée au pardon parfait, à la parole parfaite. Vous savez, on a lu un passage dans... Je vais revenir là-dessus. Je crois... Éphésiens chapitre 4. Lis le verset 24 pour moi, frère. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On dit à ah? Qu'est-ce qui produit cela? C'est la parole de Dieu. Vous connaissez la vérité vous a. Franchira les rancunes, ça passe. Vous avez franchi, vous êtes esclave aujourd'hui. Il y a des rancunes, des rancœurs, des ici. Mais quand la vérité vient, elle va produire la justice. Vous serez un produit fini de la vérité, plus de rancunes. Par contre, tu ne dois pas partager le péché d'autrui. Lui, il t'offense. Toi aussi tu l'offenses, vous êtes deux offenseurs, vous êtes deux hors de la loi, vous allez en dehors du paradis. Ouais, personne n'ira. Personne n'ira. Ta raison ne vaut rien. Et il a dit un peu, quand on le crucifiait, il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Lui. Et nous avons la grâce de voir des gens qui ne sont pas Jésus, mais qui avaient l'esprit de Christ en eux, comme Étienne. Et ça joue sur la vie de Paul. Le fait que Étienne s'est levé avec les petits forts qu'il a, il espère, pardonne-leur. Et puis il est mort. Celui qui tenait ses vêtements était Saul. Ça l'a marqué. On tue quelqu'un et puis il dit pardonne. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à pardonner? Si nous pardonnons, notre foi sera une foi vivante. Parce que la foi parfaite est liée à la parole parfaite, elle est liée au pardon parfait. Alléluia. Je vais vous donner le plan et puis on va s'arrêter là. Mais nous allons réfléchir déjà. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, aujourd'hui là, mettez de l'ordre. Vous pouvez ne pas aller le voir parce que vous allez le voir dire, fous-moi la paix que je veux que tu veux me voir. Donc, pardonnez déjà. Si l'occasion se présente, vous pouvez faire du bien. Faites le bien que vous pouvez faire. Qui a compris? N'ayons aucun ennemi. Aucun.
Regarde un peu ce brigand. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et le Seigneur, il n'a rien dit. Hein. Il a écouté ça quand il a parlé de moi. Je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Oh, il est heureux cet homme-là. Mais vous savez qu'il a repris ses collègues qui insultaient Jésus. Et le même frère Léopold, qu'est-ce qui s'est produit à la fois à la croix pour cet homme-là? Quels sont les événements heureux qui sont produits à la croix pour cet homme en même temps? Donnez le micro. Il y a beaucoup de choses qui sont produites en même temps. Allons-y. À la croix, cet homme, à un certain moment, a regardé Jésus qui ne disait rien. Oui, mais quels sont les événements qui sont produits pour lui en même temps? Il a eu la révélation que c'était le Seigneur même qui était là. Bon, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'est repenti en même temps. La repentance. Bon, ensuite. Ensuite, il a repris son collègue. Oui. Pour lui dire, mais nous, c'est tout à fait normal que nous subissions ce mal-là, mm-hmm. ce châtiment, parce que nous avons péché. Mais lui, il n'a rien fait. Ouais. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Amen. Il a reconnu vraiment son état et la sainteté de la justice. La justice, oui. Ah, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les événements, les événements qui lui ont été épargnés? Il n'avait pas besoin de ça. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Hein? Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Ah oui, après, qu'est-ce qu'il devait faire? Et puis. On devait le baptiser. Le baptiser au nom ça. Du Seigneur Jésus-Christ pour nous pardonner ses péchés. Et maintenant, il va avoir le Saint-Esprit et tout ça. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Non, il n'a pas eu besoin de il ça. Il a eu tout ça à la fois. Tout ça en même temps. Alléluia! Amen. En un clin d'œil. Il a été sauvé. Dieu lui a donné tout à la fois. Tout. Comme chez Corneille. Amen. Frère, soyons des chrétiens. Amen. Pas des pseudo-chrétiens. C'est seulement des chrétiens. Si nous sommes des chrétiens, nous allons voir que Dieu, notre Dieu, il est tellement merveilleux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà donc. Il y a le rappel de la foi, on l'a fait, le triomphe de la foi. On va en parler la prochaine fois, le triomphe de la foi. Et on voit contre le triomphe de la foi, contre le monde, tous les œuvres du monde, de Satan, contre les œuvres du diable, 1 Jean 5, temps. Les témoins de la foi dans l'Ancien Testament. Et on a vu aussi dans le Nouveau, on en parlera. Enoch, Abraham, Sarah, Moïse, tous ces gens, on en parlera. Et puis au temps de Jésus, cette femme qui souffrait de perte de sang, elle a été sauvée. Et frère Branham dit que c'est cette foi qu'elle a, on ne peut pas la voir sans le Saint-Esprit. Mais on n'a pas le Saint-Esprit quand on est rancunier. La femme cananéenne, Jairus, le centenier, lépreux de Matthieu 8:2, on va le lire. Matthieu 8:2. Le lépreux. Et puis il va conclure et puis on va prendre en détail après. Matthieu 8, 2. Verset 2. C'est un lépreux. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voilà quelqu'un qui a la foi. Mais bien sûr, le Seigneur peut le faire. On va prendre en détail la prochaine fois. Donc, la foi est indispensable à notre vie chrétienne. Donc, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Amen. Allons-y, frère. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Qui veut expérimenter la puissance de la foi? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que lui-même il soit loué, exalté. Amen. Mais soyons des gens sincères. Hein?
Nous sommes en train de voler comme ça. On a des projets de nos frères qui sont malades, ceux qui ont des enfants. Vous allez avoir tout ce que vous demanderez si vous avez la foi. On relit le passage des faits, le premier passage, Marc chapitre 11, et puis j'arrête. Parce qu'on va reprendre tout ça en détail, si Dieu le permet. Amen. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Bien-aimés, le Seigneur nous parle ce matin, ayons foi en Dieu. Le frère Mathieu vous a donné la définition de la foi. Nous allons reprendre ça parce qu'on a beaucoup de choses à demander au Seigneur. Continuons. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On dit Amen. Et ça, frère Branham dit ceci, il dit, il ne s'agit pas seulement des problèmes. Il s'agit des vraies montagnes. Vous avez une grosse montagne plus haute que ça. Si vous avez la foi, dites, déplace-toi, elle va se déplacer. Continuons. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Verset 25-26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Oh Dieu, sois béni, sois loué, exalté, magnifié. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu peux t'asseoir. Que le nom du Seigneur soit loué. Qu'il soit exalté, élevé en dignité. Voilà, donc ça, c'est une introduction sur la foi. Et Seigneur permettant, nous allons, s'il le permet, nous allons continuer en détail. Mais déjà, sachant que si on a la foi, une certaine foi, et qu'on ne peut pas pardonner, on ne sera pas béni. Il faut pardonner. Ne dormez pas, hein? Relevez-vous. Hein? Regardez un peu. Ce passage-là, c'est un passage que le frère Branham a expérimenté. Et quand il a expérimenté, qu'est-ce qui s'est produit à la fin? Quand il a cru en Dieu, quand il a eu la foi, qu'est-ce qui s'est produit? Les écureuils. Parce qu'il ne comprenait pas comment ça pouvait se faire. Et puis Dieu lui a dit, mais William Branham, il dit oui. Les miracles que tu fais là, c'est toi qui les fais, il dit non. Quand le cancer est guéri, c'est toi qui guéris, non. Demande ce que tu voudras, cela te sera accordé. Il dit, je veux des écureuils. Et qui a déjà vu un écureuil? Les petits. Il dit, où tu les veux? Il dit là. Et puis voilà, off, un écureuil là-bas. Amen. Dans le vide. Il tire, il reprend. Il tire deux. Il s'en va, il dit non, tu as dit trois. Et l'autre, il dit, bon, là, je vais avoir l'autre à côté. Il tire le front. Il a compris que Dieu est capable de tout faire. Amen. Si nous croyons, Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et que nous puissions vraiment revenir dans l'église après ce confinement avec une pleine foi. Une vraie foi liée au pardon. Nous avons beaucoup de choses à demander. Et la chose la plus importante, c'est notre enlèvement. Hein. Vous ne pouvez pas être enlevé sans la foi. Vous ne pouvez pas. Si on n'est pas capable d'être guéri d'un mal de tête par la prière, ce n'est pas l'enlèvement qui aura lieu avec nos foi. Que Dieu soit lui exalté. Levons-nous, on va chanter quand il laisse la place aux frères. Thank you.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.